Ok, génération de grands, Abamo, Bustadia, dans la chaudière avec aujourd'hui moi, Lika. Mo, référence au Bargman des Simpsons, évidemment. Tout à fait, c'est ça. Alors voilà, Mo, Armand et Simpson, c'est notre influence première. Et ensuite, Alika, bah, je crois, on a pris des lettres au hasard dans l'alphabet. Puis, voilà, je suis tombé là-dessus. On a pris les lettres du Scrabble, on a acheté Alika. Voilà. C'est un max de penchant. Vas-y, non, je te laisse. Bah, David, on l'aime tous, quoi, franchement. Les animateurs de l'émission. Bah, David, il est cool, voilà. Et RG1, il est bien. Sauf quand il veut faire caca, voilà. Il aime la brigade. À la base, on est plutôt rock, mais en ce moment, on écoute que du rap. Donc, je sais pas, tu tries les morceaux, tu vois. D'ailleurs, justement, une question qu'on se posait, c'est est-ce que les mecs qui écoutent du rap classique, ils connaissent des gars comme Zinkels, TTC, Club des Losers. Je pense qu'ils ont une question. Physique, quoi. Pas trop, en fait. Ouais, on s'en doute. Les deux en même temps, c'est ça. Ouais. Non, mais moi je boycotte le bon rap, je capique, je ne bois que du banania. Je suis élevé au banania. Et c'est tout. Ah, tu finis par un peu de chocapic, hop, tu mélanges tout. Ah, moi j'ai fait l'overdose, ouais, le banania, j'ai arrêté ça complètement. Quoi. J'ai arrêté le lait, le banania, le chocolat. J'ai tout arrêté, j'ai fait l'overdose de banania. Et marqué à vie, quoi. Franchement. Tu fais un projet. Alors, projet, on va quand même faire. On finit la tournée. Enfin, on finit la tournée. Voilà, on a quelques dates, quoi. On va trouver d'autres en plus. Hein. Pour la sortie de l'album, donc le 23 juillet au Santa Pasta, le 19 septembre à l'Expo de Metal à la Campagne. Venez, c'est un festival excellent. De toute façon, il y a tout ensuite, sur le MySpace. Hein. Ouais, bon, sur le MySpace.com/Moalika, M-O-A-L-I-K-A, il y a toutes les dates et il y en a d'autres qui vont arriver. C'est ça les prochaines fois. Puis bon, le prochain album pour plus tard. Qu'est-ce qu'il a gagné? 1 million. Kamoulax. T'as bourré. Carte mystère. Alors, est-ce que vous avez apprécié Vodassa, même si, comme vous pouvez le constater, il est un peu bling-bling sur les bords. C'est vrai. Regardez, moi, je pense constatons, qu'il va... il a une belle montre en or, un bel bret pin. Il vote pour la leadership tout petit et malveillant. Genre, ah oui, mais genre, ça te voit la Rolex. Donc, ouais, Judassin, c'est cool, mais faut faire attention. Pas trop. Mon avis, il s'est fait piquer pour les Dalton hein, depuis. Je crois qu'on va terminer sur ce mot-là. Judassin, fais attention. Là où est-ce que tu te traînes, laisse traîner ta montre. Il y a les Dalton qui traînent.